Et bonsoir à tous, on se retrouve pour un 7e épisode, 3e soir de live sur Icarus, toujours en compagnie de Lodos. Salut Lodos. Bonsoir tout le monde. Qui vient d'ailleurs d'arriver, et Capo devrait nous rejoindre un tout petit peu plus tard comme d'habitude. Alors, ce qu'on disait hier, dans les épisodes précédents, on avait été récupérer le satellite dans la zone forêt. Là, on va aller dans la zone arctique sud, donc il va nous falloir nous préparer un tout petit peu au concept de l'Arctique. Donc déjà, côté munitions, on en était où? Je crois que j'ai tout préparé, à part le cuivre. Oui, il fallait qu'on récupère les lingots de cuivre. Là. Pour avoir des... Les prendre tout de suite. Ah oui, t'avais fait les balles en plus pour les... Oui, j'ai fait les 200 balles en plus pour le fusil de chasse. 150... Je vais faire pareil. Comme ça fera de la place. Une place. Je vais prendre un pompe également. Du coup, il va falloir que je redéplace tous mes trucs. Ah. Putain, 10. Je vais prendre un pompe. Voilà. Et je vais lancer déjà les 100 premières cartouches. Yes. Et moi, je vais regarder du coup pour prendre le petit chauffage, le pot belly stove. Il faudra 6 lingots de cuivre par contre et 40 lingots de fer. J'en ai laissé 7 de cuivre dans le placard. Et du fer, là j'en ai... il en reste du fer là dans le... Non. Non. Normalement dans le placard, il devait en rester 40, si je peux dire. J'en vois 39 dans le placard. Ah, je crois parce que Capo en avait pris un petit peu pour faire je sais plus trop quoi. Plus 4 dans la... Dans l'enclume, donc je prends les 4 de l'enclume. D'accord. Ah, tu y aurais pas 10 cuivres en plus, au moins que je fasse les 50 balles pour Capo quand il arrivera. Il y a 15 cuivres en plus, donc attends, je les sépare. Génial. Génial. Ils étaient dans l'enclume. Ok, je vais pouvoir en faire 5 dans celui-là. Ok, j'ai pris le pot de belly stove. Comme ça, au moins, il y aura 50 balles. Et on essaiera de trouver un peu de cuivre pour faire les 50 balles pour Cryo. Oui, carrément. Faut que j'apprenne à faire la bonne touche. Tac. Voilà. Alors, maintenant, il faut trouver une place pour le fusil à pompe. Et moi, je l'ai mis à côté du fusil de chasse. Ça, c'est donc, bon. Ça, c'est fait. Faudra qu'on se prenne des petites confitures. Il en a 16, donc on en prendra 5 chacun, je pense. Ça sera large. Oui, il fallait que tu fasses des trucs pour les grottes. Ouais, en fait, j'en ai des évolués. J'en ai 6, les gros. Mais je sais pas trop si c'est un anti ou si c'est un truc pour nous soigner, en fait. C'est multi-usage, mais... C'est une bonne question. Je te remercie de l'avoir posée. Éventuellement, comme tu le sens. Le moyen m'allait bien. Le moyen était pas mal, alors. Ah ben si, j'en ai refait 10 avant de déco hier. Ah, mais c'est vrai. C'est bon alors. J'avais oublié. J'en ai refait 10. Génial. Qu'est-ce qu'il fallait déjà pour celle-là? Il fallait alors, juste... Au passage, je t'avais fait des flèches en plus. Du coup, j'en ai pris un sac de sang, il y en a 83 qui sont dans l'armoire à bois et pierre. Ouais, ça tombe bien, parce qu'il ne me reste plus que 18. Des flèches de base, hein, c'est juste histoire. Oui, de base, bien sûr. Par contre, je vais peut-être en refaire 5 de plus, comme ça, moi, avec Capo, on en aura 5 chacun. D'antipneumonie, là. Ouais, bah vas-y. Cool. Faut juste un peu d'époxy, je vois qu'il en reste. Et du charbon de bois. En attendant, je me fais un loup. Ah oui. J'entends arriver. Okay. Hop. Ah mince. Ça va aller?
Pour les deux premiers, oui. Pour le troisième aussi. Okay. Je prends ma flèche, tu peux le récupérer. Il y en a deux autres ici. Là. Hop, par mon Dieu. Normalement, il y en a encore un. Ou alors c'était... Non, ça c'est un caillou. Ouais, pareil, un caillou. Je le trouve. Pierre, pierre. Feuille, ciseaux. Je vois pas. Bah non, ça devait être le premier que j'ai pas tué du premier coup qui a. Pas grave. Manger un morceau du coup. Alors, j'ai bien 15. Ouais, c'est bon, il y a 15. Anti-pneumonie, je peux le ranger. Je me ferais bien des bladers en plus, également. Il faut des os. On avait des os ? Oui, on a des os là. Normalement, on en a en stock, ouais. Et puis, on vient juste d'en faire un peu. Quoique, on risque 60, toi. Non, mais je viens d'en prendre. Ah, d'accord. Ça, je pose là-dedans ce dont il peut y avoir besoin. Je refais 4 bladders. Comme ça, on peut en avoir un en rab sur nous, plein, vu le poids que ça pèse. Oui, ça pèse pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Ah oui, bien sûr, quand même. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais les mettre. Est-ce que je peux les mettre parce que là du coup il n'y a plus de place. Là, il reste de la place. Ah bah je les mets avec les pots et les os qui sont là. D'accord. Je les mets en tête de truc. Ça. J'ai fait des sacs L, mais j'ai pas fait de kit de suture. Ça serait peut-être pas mal d'en avoir. Je vais regarder ça. Qu'est-ce qu'il faut pour les kits de suture? Du cuir, des os et des fibres. Ok. Ah, pourquoi il y a du cuir par terre? De la fourrure? Où ça? Juste devant l'armoire. Je sais pas. Ah, parce que j'ai dû vouloir le glisser dedans et c'est tombé. Les os. Au lieu de le mettre dans la petite case, je l'ai mis en dehors de la fenêtre. Alors, des cuirs, des os et j'ai dit des fibres. Ça va être là-bas. Ça. Mince. Pour en faire vivant. Tudoup, tudoup. J'en profite, je récupère des petits animaux. Oui. Ça sera toujours des os. Et de la viande. Alors, ah oui, c'est vrai que tu m'avais dit que tu avais fait des flèches basiques. Ouais. Et tu les as mis dans la deuxième armoire de l'entrée, là, celle où il y a le. Ok. Celle où il y a le bois et la pierre. Tac. Ouais, il n'en reste plus qu'une. J'ai un paquet de ça. Euh,
Je vais les reprendre parce que je pense que j'en ai perdu du coup. Ouais, j'en ai perdu quelques-unes là dans les bestioles. J'en ai que 95, comment je vais faire? Il va falloir du bois pour la route, mais on en a un peu là. Il faudra du coup prendre quelques... Hop, j'ai fait. Si je prends 3 comme ça, ça fait 1,5 kg. Ça va. Il faudra prendre un peu de... Il faudra prendre du bois de toute façon. On a 100, 200, 300, 950. Moyen que ça suffise. On va prendre de la bouffe également. D'accord, donc... Les restaurations machin chouette là, les pots, par contre cela c'est bien indiqué que ça rend 50 de santé une fois qu'on les consomme, si je dis pas de bêtises. D'accord. Donc ça au moins, c'est sûr que ça rend des PV. Par contre j'en ai que 4 de dispo là tout de suite. Du lisse. Combien je peux en faire? Je peux en faire plus qu'un. Et j'avais aussi fait une torche en bois par erreur. D'accord. Parce que je sais pas si t'as vu, regarde, il fait des torches de sol là. Ah oui, pour éclairer la nuit, ouais. Et du coup, je m'étais planté, j'avais pris les torches en bois, donc j'ai foutu une torche en bois quelque part, je sais plus où. Ah, elle est là, dans le placard tout à gauche. Okay. Si tu veux une torche en bois. Mais tu m'en avais fait une, elle était quasiment neuve. Donc non mais c'était une torche en... C'était pas une torche en bois, c'était une torche pourrie. Là c'est une comme ça que j'ai fait. Ah, d'accord. Qui dure beaucoup plus longtemps. Oh. Éclaira peut-être un peu plus. Je suis pas persuadé. Mais elle dure plus longtemps. Oh, bah, je vais prendre celle-là à la place de l'autre. Longbow, ça se répare là-dessus, il me semble. Par contre, j'ai plus beaucoup de place là-dedans, moi. Steel pickaxe, elle est à 2 cinquièmes. Pas besoin de la réparer. Oh bah. Je vois... C'est très bizarre. Ah oui, je vois sur le stream. C'est très bizarre. Il perd sa tête et son haut de fourrure. Décapité. C'était qui? C'était Krios, ça, je pense. Parce que cette position-là, elle est plutôt habituelle de capot. De capot, ouais. C'est bizarre. Ouais. C'est pas, moi qui l'ai c'est pas moi qui l'ai décapité, promis. Il me fallait de la sève, des bâtons. Bah, tu veux que je tape un arbre, en attendant? Non. C'est juste des bâtons qu'il me faut. Et puis en plus, on peut les faire facilement avec la table d'ébénisterie. Oui, mais il faut bien que je fasse quelque chose. Je vais taper un arbre. Non, c'est pas là. C'est là. Alors, un petit peu de sève. De chacun, hop. Toujours pour en prendre. Que deux chacun de trucs anti les restaurations. Ouais, les restaurations militaires. Donne 50 points de vie. Je pense que si on vient à mourir, c'est bien d'utiliser juste après qu'on soit relevé. Oui. Pour éviter de mourir de froid, de mourir tout court. Oui. Mais pareil, on en aura 5 chacun pour l'anti-pneumonie. Je me prends 32 bois au cas où. Est-ce que je peux pas en faire plus?
Bon, 5 déjà, c'est déjà pas mal. Boum, boum, boum. Ouais, pour faire des soins, en plus, il va falloir beaucoup de lys. Et les lys, on n'en avait pas. Si, si, on en avait. C'est les autres qu'on n'avait pas. Comment ça s'appelle? Les fleurs de roseau qu'on avait du mal à trouver. D'accord. Ça, les fleurs de roseau, c'est pour faire les antiparasites. Ah oui, 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 oui. Attends, les lys, c'est les petites qu'on trouve partout. Ouais, les gros bouquets de pâquerettes violettes, là. Oui. Parce que là, il y a des roseaux, mais il n'y a pas de fleurs. Ouais, ils sont assez rares, les fleurs de roseaux. Ben, je pense que niveau soins, on est bon. J'ai fait 20 kits de couture. De suture. Oh, bah, c'est jamais que de la couture sur soi, hein, la suture. Oui, c'est vrai. Ça va nous permettre de pouvoir nous réparer si on a des plaies. Oui. Il y a aussi des attelles, j'en ai 6. Ben, je pense qu'on n'est pas trop mal, il va juste nous manquer... Capot, et tu as fait aussi tout ce qu'il fallait pour nous réchauffer. Oh. Ouais, réchauffer c'est sur moi, j'ai 3 roof ramps. Ah non, il faut faire un feu de camp, si tu veux bien le faire à la limite, sinon je te le fais. Feu de camp, je ne sais pas si je l'ai pris en fait. Donc je crois que je ne l'ai même pas pris. Bon, j'ai de quoi attendre, c'est pas un souci. Non, mais je vais le faire. Hop. Il faut juste des cailloux. Et il en faudra des cailloux de toute façon. Ou sinon, on peut aussi se faire un fire pit à la place. Le feu de camp pèse 10 kilos. Combien pèse le fire pit? Attends. Ah, je sais pas du tout, c'est pas écrit sur le schéma. Je prends, si tu veux, pour voir. Ça fait jamais que 100 cailloux et 15 de bois. Il pèse 20 kilos. Ah, ouf, ouais. Deux fois plus lourd. Ouais. Donc, un feu de camp. Tu sais quoi, je le pose à côté des pierres, et comme ça, tu peux le prendre... Et alors je vais prendre un feu de camp. Un petit peu de bois aussi. Je vais prendre un stack de 100. En bois? Ouais. 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 Moi j'en prenais une trentaine. Moi je suis à 46 kilos. Bon, j'avoue, j'ai rien d'autre. J'ai pas les soins, j'ai rien. Parce qu'il faut penser que si on revient en faisant des. En minant un peu, pas se charger trop non plus. Ouais, c'est pas faux. Ouais. On va avoir besoin du bois juste pour se chauffer, éventuellement faire cuire un morceau. Bon, ouais, y a Capot aussi qui peut prendre des trucs, mais... Je vois le paquet de 25, là, je vais juste prendre le paquet de 25, ouais, ça fait 6 kilos en moins. Et il y a de plus en plus de loups qui rôdent autour de la maison. Hein. Oui, et on va avoir de plus en plus d'ours qui vont arriver maintenant. Pourquoi? Ben, on en a déjà eu 2 près de la base. Et pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas là avant et qu'ils sont là maintenant? Je sais pas si c'est parce qu'on évolue, nous, que bah, les bébêtes plus méchantes arrivent. Ah, on était déjà level... On avait déjà un gros level avant... Je sais pas. Ouais, je sais pas comment que ça fonctionne. Le chat est bien calme ce soir. Effectivement. Le chat dort. Ouais, y a pas grand monde. En plus, c'est fluide pour une fois. Oui, pour l'instant, c'est très fluide, ouais. D'ailleurs, je me suis dit, si ça perd en fluidité, je m'emmerde plus. On fait un arrêt-relance du jeu, on se reconnecte, hein, parce que... Okay. C'est vraiment ça qui résout le plus le truc. Pourquoi j'arrive pas à le... D'accord, j'arrive à le diviser en 2 dans mon inventaire, mais pas en le prenant d'ailleurs. Bon, bizarre. Ouais, moi j'y arrive. Alors, j'ai pris 5 kits de couture, j'ai 5 antibiotiques toniques.
Je vais prendre deux pots de soins. Cinq antibiotoniques, tu dis qu'il faut prendre. Des health restoration paste. Ah oui, c'est moi j'avais des health buff. Ouais, mais le health buff, en fait, te redonne pas de points de vie. Je sais pas si c'est pas sur la durée, ça, par contre. Perso, j'en ai essayé un, ça m'a pas donné de points de vie supplémentaires. Ouais. Ça m'a pas donné de buff, du moins. Après, je sais pas si c'est parce que mon estomac était déjà plein que. Des kits de suture. Que ça m'a rien donné. Et ça, au moins, c'est sûr, c'est bien écrit dessus que ça te donne 50 points de vie, oui. Dès que tu le consommes. Donc. Voilà, kit de suture et ça. Après, il va nous falloir peut-être un petit peu de confiture. La confiture, 5 chacun, je pense. Ouais. Bon, je sais pas si c'est. Oh, ça pèse, ça, par contre. Ah oui, ça fait 5 kilos les 5 confitures. Ouais. Moi, ça me met à 43 kg 4 avec les 5 confitures. Sachant que je me trimballe le pot de Belly. Ah, mais il fait qu'un kilo 8. Je prends quand même un peu de pierre au cas où. Quoi qu'on en trouvera partout, de la pierre. Alors, avec tous mes soins, les 25 bois et le feu de camp, je suis à 42 kg 2. Donc, j'espère qu'on va rien oublier. Je prends 5 cailloux. Mon arc est à 50%. Mon couteau est à bientôt mort. Je vais prendre un caillou et le réparer. Moi, je prends 5 cailloux avec moi au cas où il y ait besoin de réparer le couteau. Ma hache à bois, elle est quasiment. Bon, après, des cailloux dans l'Arctique, je pense qu'on peut en trouver. Oui. Pourquoi j'ai plus. J'en prends 5. Ah, parce que mon. Parce qu'il est sorti de ton truc. D'ailleurs, tu peux en. Non, mais prends-en. Prends-en deux et remets celui qui est vide. Hop, je remets celui qui est vide et j'en prends deux. Hop. Hop. J'en ai mis des pleins, deux pleins à gauche pour que chacun puisse en avoir un dans le slot, dans son slot, puis un plus un en rab. C'est pas bête du tout. Bon bah c'est pas mal. On a il manque balles, que capot. Hein. On a des cartouches, on a des flèches. La bière, je sais pas si c'est nécessaire vu qu'on a la. Il faut que je prenne mon pot de Belly là que j'avais laissé. Et 42 kg 4. Bon, on n'est pas trop mal. Oui, dans l'ensemble. Et si on n'a rien. Ah, moi aussi, j'ai aussi le bug de Cryos qui disparaît. Ah, je suis pas tout seul, ça me rassure. C'est marrant, quand sa veste elle est plus là, on voit qu'il a une espèce de Tucky Walkie dans le dos. Un Tucky? Je sais pas. Ou c'est pas le pantalon qui. La boucle de la ceinture du pantalon. Enfin, le passant de la ceinture. Dans le dos? Ouais, façon jean un peu, tu vois. Ah. Peut-être. Ah non, on dirait un truc pour ranger un couteau ou un téléphone. Viens voir. Ah oui, peut-être, ouais. Approche pas trop, j'ai une torche. Viens voir un petit étui pour. Oui. Un petit étui, oui. Avec de la lumière, on voyait mieux. J'ai beau réfléchir, je vois pas autre chose. Par contre, on va laisser Capo prendre la nourriture, vu qu'il a le talent pour. Oui. Aspirer moins vite. Mais il est où, Capo? Capo! Il a pas laissé un message sur le Discord par hasard? Ah, j'ai pas vu. J'ai pas eu. Ah, bah tiens, il y a une tempête qui arrive. Je regarde ça. Non, je suis dessus. Hop. D'accord. Boum boum boum.
C'est une quoi la tempête du coup? J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe non plus. J'ai pas regardé. Une petite pluie, de rien du tout. Non, parce que s'il vient pas capot, on va devoir y aller tout seul. Oui. Je me demande si je vais pas réparer mon arc aussi. Ah, il y a une réponse. T'as pas vu ? Je ne vais pas tarder, je suis en train de me préparer. Ah, super. Super. Donc il aura plus qu'à récupérer ses trucs. On fera un petit dodo pour y aller dès le matin. Du coup, c'est Capo qui va prendre le... Ah non, c'est toi qui as pris le feu de camp ? Oui, j'ai le feu de camp, j'ai un petit peu de bois, tous mes soins, mes cartouches et les flèches. Pareil. Et d'ailleurs, faut charger le pompe. Et je l'ai fait, moi, direct. Comment il est mouillé? Je suis sorti sous la pluie? Même l'arc est mouillé. Ah oui, moi aussi, il y a de l'eau dessus. Ah, c'est bizarre. Ouais, il y a une texture mouillée. C'est peut-être parce qu'on est en pleine tempête. Ouais, ça doit être ça. C'est pas gênant, au contraire. Non, ouais, c'est plutôt joli. Bon, ça rend mieux quand même avec deux loupiottes. Je me suis dit, on avait du soufre. Oui, on en a en rame encore. Hein. Comme ça bouffe que de la fibre, enfin, ça peut tourner à la fibre. Ça. La croissance soufre d'avance, on a de quoi recharger. Bah, il faut remettre de l'oxyde. 1, 2, 3, 4. Ah oui, 3300 ici. Ouais, donc de l'oxyde, on en a pas tant que ça d'avance. Mais non, ça y est, là, je viens de prendre un paquet de 50 que je remets là-bas. Donc il va peut-être falloir en reprendre. Bah, c'est parce que là, on en a eu 6 à remplir d'un coup, donc. 4. Enfin, 4 nouveaux plus ce que t'as. C'est le tien, ouais. Et le mien, je le rechargerai aussi d'ailleurs au moment de partir. On attend juste le gros de la tempête et ensuite on va se coucher, si ça te va. Oui, bien sûr, comme ça moi le temps que Capo arrive, il fera jour. Qu'est-ce qu'on pourrait oublier d'intéressant? Je suis en train de réfléchir et de faire le tour depuis tout à l'heure, je vois vraiment pas. Il y a les lanternes qu'on pourrait tester. Ah, j'ai trouvé un truc sympa par contre. Regarde dans la textile bench, la recette qui est disponible. J'ai rien du tout à part les cordes, moi. Ouais, justement, t'as une recette de cordes avec le cuir. Ah oui! On se demandait ce qu'on pouvait foutre de tout ce cuir. Bon, tu me diras, c'est pour économiser de la fibre. Ouais. Oui. Donc c'est pas non plus... Le cuir, on sait plus trop quoi en faire. Oui, voilà, on peut faire la corde avec le cuir. Elle sera certainement de bien meilleure qualité. Oui, plus résistante. Oh, c'est sûr, c'est certain. C'est évident qu'ils ont implémenté ça comme mécanique de jeu. Les oxygènes tank, il faut 20 lingots d'acier par tank. Laisse tomber. Ouais. L'extincteur, il en faut autant. Et il faut en plus du cuivre et de l'époxy. Et si ça se trouve, c'est à usage unique. D'ailleurs, c'est bizarre de mettre de l'oxyde dans un extincteur. Alors que l'oxygène, c'est un canaliseur. Oui. Bah, tu mets du soufre et de l'oxygène, je suis pas sûr que les deux mélangés, techniquement, ça éteigne des incendies. Ouais, ça a plutôt tendance à faire boum. Ah tiens, on peut faire des flèches en titane. Ah non, coming soon. Ouais, ils sont pas dispo. Par contre, on peut faire des carreaux d'arbalète en titane ou en platine. J'ai pas sûr que ça soit vraiment des carreaux d'arbalète, ça. Bah ça ressemble plutôt à des flèches. Non, les bolts, c'est les carreaux d'arbalète. Les bolts, c'est les carreaux d'arbalète. Ouais, d'accord. Ouais, si tu vas d'ailleurs pour ton
Pour en avoir la preuve, tu vas sur le crossbow. Derrière, tu as les Iron Bolt, Copper Bolt, Steel Bolt. D'accord, ok. Bah, ça y est, elle est passée la tempête. On va pouvoir dormir. Ouais, il y a un nuage bizarre qui arrive. C'est le nuage qui annonce la fin de la pluie, peut-être ? Bon, c'est vrai que c'est bizarre. D'habitude, c'est du soleil. Ouais, et là, t'as vu le. On dirait une pluie acide ou je sais pas quoi. Et salut XK. Coucou XK. On attend juste Capo XK et on va pouvoir partir dans l'Arctique. On s'est bien préparé. Peut-être faire dodo en attendant qu'il arrive. Ouais, hier on a eu le premier satellite. Ah, attends, faut que j'allume le feu. Ah, mince. Voilà, c'est bon. Je peux éteindre le feu. Et récupérer la spoil meat. Tout de suite. Ouais, hier on a eu le premier satellite. On a tué le jaguar. Et on a récupéré... Il est où ? Il est pas là. On a récupéré ceci. Une bio-warhead. Et on peut voir... c'est où ? C'est où déjà qu'on voit qu'on a réussi là ? Ah, c'est sur la map. Recherche, on a récupéré le bio-warhead depuis le satellite de la forêt. Donc là, ce soir, on va... Ici. Nouvelle zone arctique. Mon Capo disait qu'il était en train de se préparer. On l'attend. Capo, Capo, Capo. Est-ce que après il reste un peu s'il reste du poisson. Ah ça y est, le soleil. Journée de plus se lève sur Icarus. Je crois que t'avais vu un poisson. Oui, mais au moment que j'ai bandé l'arc, il a fait c'est barré. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve dès demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.